C'est-à-dire que moi, j'ai eu une activité salariée 23 ans. Et donc, avec 20 ans dans la restauration, et puis après, j'ai voulu me tourner vers les métiers du service. Auprès des personnes âgées. Et j'ai un diplôme d'aide aux soignants. Et après, il y a eu une dépression qui s'est déclarée, et j'ai passé plusieurs années en soins, on va dire, avec une santé précaire et avec un mal-être. Ce n'est qu'en. Ça, c'était. Il y a une coupure là en 2003-2004, et donc je rebondis, moi, en 2013, où après les hospitalisations répétées, de la souffrance psychique, j'ai rebondi en 2013 en reprenant ma vie en main. Donc c'est passé par un appartement où j'ai retrouvé une autonomie, c'est passé par toujours des soins suivis, mais ça m'a permis de. Il y a surtout une rencontre qui m'a permis de rebondir lors d'une conférence justement qui était très intéressant sur les troubles psychiques. Donc j'ai pu intervenir dans cette conférence autour de moi, c'était que des professionnels. J'avais pu pousser la porte pour accéder à cette conférence. Et là, j'ai pu exprimer mes faiblesses, mes problèmes de santé, ma discrimination que je vivais, parce qu'en fait, on m'avait déclaré bipolaire et que j'étais pas dans la société normale. J'étais un petit peu en retrait de tout ça. Donc j'ai pu exprimer cette souffrance de la non-expression, de l'exclusion que je vivais. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une rencontre d'un responsable de la Croix-Rouge qui était intervenu lors de cette conférence. Et lui, il m'a pris sous son aile, ce monsieur, et il m'a tout de suite fait découvrir le monde des conférences, le monde des séminaires, qui traitait un sujet qui me tenait à cœur, c'était la précarité des personnes, la souffrance des gens dans la rue, qui vivaient dans la rue, qui m'a appris ce que c'était qu'un SDF, qui m'a appris ce que c'était que ce monde de la précarité. Donc il y a eu avec cette personne-là beaucoup de réunions, de conférences, et ça m'a permis de voir un petit peu ce mécanisme de personnes qui prennent la parole, qui, avec des organisations bien précises, où tout le monde, où il y a beaucoup de choses à écouter, analyser, observer. Et ça a créé une expérience à moi, et ça m'a redonné confiance, et je me suis aperçu que j'avais même des dons d'orateur, en fait, que je pouvais parler en public avec, bien sûr, une appréhension humaine, hein, normale. Hein. Mais je préparais mes interventions à ce moment-là écrites. Et donc voilà, c'était tout un cheminement. Et j'étais en relation avec l'UDAF 65 à Tarbes aussi, où j'étais sous curatelle, là. Là, c'était une bonne expérience d'être mis sous curatelle, parce qu'en fait, ça m'a permis de bien réaliser la valeur des choses, que je ne pouvais pas dépenser plus que ce que j'avais, ce qu'on m'accordait. Et tout ça a fait que ma vie était bien organisée, elle était encadrée, elle était soutenue, et tout le monde venait vers moi pour me dire, mais, Monsieur Fischer, vous vous exprimez de mieux en mieux. Ce serait bien que, à chaque fois, ce serait bien que vous veniez à nos réunions, à nos groupes de parole. Voilà, c'était tout un cheminement. Et donc, même si je ne suis plus sous protection maintenant par l'UDAF, je garde toujours contact avec l'UDAF 65, qui a organisé un groupe de parole. Qui permet à des collègues à moi qui sont sous protection encore d'expliquer leurs problématiques qu'ils rencontrent auprès de l'UDAF, auprès de leurs délégués, les tracas de leur vie quotidienne, etc.